Point ne chercherait à me voir quand le moment sera venu de mettre mes enfants au monde. Point ne chercherait à savoir où le samedi j'irai. Sachez seulement que jamais ce ne sera en mauvais lieu. Enfin, jamais ne me nommerai fée. Mélusine ou la fée des berceaux et des tombes. Une émission de Claude Métra avec la participation de Claude Gengbay et le concours de Jean Marcal avec les voix de Marguerite Cassan, Vera Feder, Pierre Constant, Pascal Mazetti et Philippe Moreau. Réalisation Claude Roland Manuel. Je crois que de toute façon, elle est dans l'inconscient de tout le monde. Donc, nous la retrouverons et si au moins, en dessinant les figures de ce qu'elle est, nous l'éclairons, ce sera beaucoup. Et nous éclairons son miroir et nous éclairons ce qui s'y reflète et son peigne et sa figure de serpente. La figure de Mélusine, pour moi, c'est la figure d'un enchantement à venir ou d'un enchantement perdu, je ne sais pas trop. Ce qui se passe dans le cas de Mélusine, tel qu'on peut la découvrir d'ailleurs à travers le récit de Jean d'Arras, c'est d'abord le phénomène de la rencontre. Un chevalier qui a le cœur perdu la plupart du temps et qui est pris d'une grande soif, rencontre au bord d'une fontaine. Il était une fois un chevalier nommé Raymondin qui chevauchait par la forêt. Grande douleur est dans son cœur car il a par mégarde tué à la chasse son ami le comte de Poitiers. Depuis longtemps la nuit est tombée, mais enfermé dans son chagrin, c'est à peine s'il s'en aperçoit. Ainsi chevauchait-il en sa solitude. Et quand il fut minuit, il parvint jusqu'à une fontaine que l'on appelait la fontaine de soif, et sur l'eau, la lune se reflétait comme en un miroir, si brillante que les arbres se penchaient pour y chercher leur ombre. Et dans la fontaine, trois jeunes filles, qui de leurs vêtements s'étaient dépouillées, se baignaient en grande joie. Le chevalier, tout à son souci, n'entend ni le murmure de l'eau, ni le chant des jeunes filles. Alors, la plus douce d'entre elles, Mélusine était son nom, s'approcha. Par ma foi, vassal, c'est de vous grand orgueil, ou grande sottise, d'ainsi passer devant demoiselles sans les saluer.
mais le chevalier ne l'entend point. Alors, Mélusine arrêta son cheval, tira le chevalier par la main. Quand Raymondin voit le corps humain de la dame qui si grande beauté a, il en est tout ébloui. Et Mélusine, vers elle, l'attire et tendrement lui parle pour le consoler de son chagrin, car elle est fée et de ses pensées connaît les plus obscures. Ainsi échangent-ils dans la nuit claire douces paroles et innocentes caresses. Quand le moment fut venu, Mélusine dit à Raymondin : De vous, je ferai, si me prenez pour femme, le plus riche et le plus glorieux de tout votre lignage. Sous l'enchantement de la jeune fille, Raymondin dit oui, oui, il la prendra pour femme. Alors dit Mélusine : Grande fortune vous donnerez, mais trois choses me promettez, qui au reste vous coûteront peu. Point ne chercherez à me voir quand le moment sera venu de mettre mes enfants au monde. Point ne chercherez à savoir où le samedi j'irai. Sachez seulement que jamais ce ne sera en mauvais lieu. Enfin, jamais ne me nommerez fée, bien que vous m'ayez trouvé en ce lieu qu'on appelle Fontaine aux Fées. Raymondin promit ce que voulait Mélusine, et ils se marièrent en grande noblesse. Et à ceux qui lui demandaient d'où venait sa femme, Raymondin répondait qu'il ne s'en préoccupait point, puisque telle qu'elle était, elle lui plaisait, et que chacun devait faire de même. Et passèrent les années qui virent les terres de Raymondin s'agrandir et se couvrir de multiples demeures, et naquirent des enfants, tous garçons, tous bien formés, mais chacun avec quelques particularités. L'un avait l'œil rouge, l'autre les oreilles démesurées, un autre avait un croc qui lui partait de la bouche, un autre une patte de lion, et joie était entre Raymondin et Mélusine. Mais un jour, qui était un samedi, le frère de Raymondin vint en leur château et s'enquit de Mélusine. Et comme Raymondin lui répondait que ce jour-là Mélusine ne paraîtrait pas, l'autre lui dit : Mon frère, je ne peux plus vous le cacher. Une rumeur court partout que votre femme, tous les samedis, a commerce charnel avec un autre. Quand Raymondin entend ces mots, il renverse la table, se saisit de son épée et s'en va au lieu où il sait que Mélusine se rend tous les samedis. Il y a là une lourde porte de fer. Alors, tant vira et revira Raymondin l'épée, qu'il fit un pertuis dans lui, par où il put aviser tout ce qui était dans la chambre, et vit Mélusine en la cuve, qui était jusqu'au nombril en figure de femme et peignait ses cheveux, et du nombril en aval était en forme de queue de serpent et débattait de sa queue l'eau tellement qu'elle la faisait saillir jusqu'à la voûte de la chambre. À ce spectacle, Raymondin sombre dans une grande tristesse. Par abominable félonie, il a trahi sa promesse. Il s'en retourne dans sa chambre et se couche le cœur meurtri et se plaint piteusement. Las, ma très douce amie, je suis le faux et cruel aspic, et vous êtes la licorne précieuse. Je vous ai par mon venin trahi. Par Dieu, si je vous perds pour cette cause, je m'en irai en exil en tel lieu où l'on n'aura jamais nouvelle de moi. Et il lamente ainsi toute la nuit. Quand l'aube fut venue, Mélusine entra dans la chambre, se dépouilla et se coucha toute nue contre lui, et embrassant Raymondin, lui dit :
les yeux pleins de larmes. Jamais en forme féminine ne pourra voir Mélusine. Mélusine, ta douce amie, qui tant t'a tenu compagnie. Puis a dit... Adieu, Raymonda, que j'ai tant aimé de cœur fin. Jamais ne vous verrai nul jour. Adieu, mon cœur, adieu, mon amour. Adieu, mon ami gracieux. Adieu, mon joyau précieux. Adieu, le bon. Adieu, le doux. Adieu, mon gracieux époux. Adieu, mon ami de mon cœur. Dieu t'est et Dieu te conseille. Et Mélusine baise encore tendrement Raymondin. Puis, elle saute sur la fenêtre. Et disparaît dans les vergers où elle se mue en serpente. Et tous les soirs, sans se montrer à son mari, Mélusine revenait visiter ses enfants qui étaient bien petits et allaiter le dernier. Elle avait, disaient les nourrices, queue longue à merveille et toute burlée d'azur et d'argent. En regardant le visage de cette femme serpent, j'ai le sentiment que nous remontons très loin dans les origines de l'espèce. Mélusine apparaît au fond comme un signe que nous fait le monde des dieux. Le récit que nous avons donné des aventures de cette jeune femme est une narration synthétique des diverses représentations du mythe, dont le roman de Mélusine de Jean d'Arras constitue la charpente essentielle. Récit qui comporte d'ailleurs bien des variantes et dont la fortune devait être considérable dans de multiples traditions populaires. Mais cette fortune n'est pas innocente. Car si Mélusine occupe une place si essentielle dans l'ensemble du folklore, c'est qu'elle répond sans doute à une préoccupation obscure du psychisme humain. Elle est une des figures privilégiées de ce féminaire où puisent, selon le hasard ou le désir de chacun de nous, les rêves ou les cauchemars. Sœur des multiples sirènes qui habitent nos rivières et nos lacs, Mélusine est la séductrice aventureuse dont les formes mouvantes nourrissent les élans indistincts des passions naissantes. Ainsi, aller à la découverte de Mélusine, ce n'est point explorer une archéologie morte, c'est retrouver l'image toujours présente d'une féminité médiatrice entre terre et ciel. Mais, Claude Guénubé, cette légende, c'est d'abord un lieu, une fontaine, et cette fontaine répond à une certaine soif. Ce qu'il faudrait savoir, d'une part, c'est quelle est cette fontaine, où elle est située, pourquoi le chevalier a-t-il... Enfin, et quelle est cette femme très belle qui chante, qui charme le chevalier et qui lui impose surtout de ne pas l'avoir accouchée. C'est du moins le premier thème que nous avons. Et il me semble que le caractère de la figure de Mélusine, c'est précisément cette association avec l'eau. Et je me demande dans quelle mesure, d'ailleurs, on ne pourrait pas voir dans la figure obsédante de Mélusine la première trace de cette obsession des origines qui nous replace dans ce commencement absolu où l'espèce était une espèce aquatique. Légende germanique, où l'on voit que, comme dans l'histoire de Mélusine, les hommes qui s'abandonnent au mystère de l'eau sont exposés à de grands dangers. Un paysan autrichien qui se baignait dans un torrent sentit qu'une force mystérieuse l'attirait au fond. Il eut le sentiment de glisser dans un trou, puis il se réveilla.
Il se retrouvait devant un palais magnifique, mais dont le plancher était fait d'yeux de poisson. Alors l'esprit des eaux entra et lui dit « N'aie pas peur, ton heure n'est pas encore arrivée. » L'esprit le conduisit ensuite devant une rangée de pots. Certains étaient fermés, d'autres n'avaient pas encore de couvercle. Les pots scellés contenaient les âmes des noyés, les autres étaient destinés à ceux qui bientôt connaîtraient une mort semblable. La fontaine où l'on situe Mélusine, à Lusignan même, en Poitou, est une fontaine appelée la fontaine de C, c'est-à-dire la fontaine de soif. Et les personnages qui s'en approchent sont les altérés. Rien que sur ce terme d'altération, il faudrait savoir ce que ça signifie. Si nous reprenons un auteur comme Rabelais, nous verrons ce qu'il dit de Mélusine, par exemple. Qui sont les altérés? Ce sont bien sûr les altérés de vérité et ce sont les autres. Il y a le double sens d'altéré qui est très important. C'est l'autre et c'est celui qui a soif. Pourquoi ce double sens est-il présent déjà dans Mélusine? Pour cela, il faut revoir un ensemble mythique que l'on peut appeler l'ensemble caniculaire. De quoi s'agit-il? Il est un moment dans l'année où tous les êtres ont très soif. Ce moment, c'est le moment où se lève l'étoile Sirius, le grand chien. Or, qui peut leur offrir à ce moment-là à boire? Qui garde l'accès d'une certaine soif qui est à la fois une soif de la vérité, mais qui est aussi une soif du souvenir des vies antérieures? Eh bien, c'est l'hydre qui, dans le ciel, garde la coupe qui nous permet de nous désaltérer, c'est-à-dire la coupe de Bacchus. Et je crois que déjà, Mélusine, c'est un peu cette hydre. Ce moment est très important dans l'année. En effet, les hommes et les dieux ne circulent pas toujours. Les routes de l'au-delà ne sont pas toujours ouvertes. Elles sont ouvertes à deux moments de l'année, lorsque le soleil traverse la Voie lactée. À ce moment-là, les échelles de l'au-delà sont dressées en quelque sorte et nous permettent de circuler. C'est à ces moments-là seulement que l'homme va pouvoir s'unir avec les déesses ou que les fils des dieux, c'est l'épisode que l'on retrouve dans la Bible, vont descendre pour s'unir avec les femmes qu'ils trouvent belles. C'est à ce moment-là que nos chances d'être immortels, nos chances de retrouver un accès aux dieux, que ce soit, comme dit Virgile, un accès à la table des dieux ou un accès au lit des déesses, que ces chances existent. Parce que, au moins lors du lever de la canicule, ce moment où la soif dessèche le monde tout entier, on affirme que le soleil et la terre se rapprochent dangereusement. Nous avons un certain nombre de mythes qui nous évoque ceci, des mythes comme Phaéton par exemple. Or, c'est à ce moment, en pleine canicule, que va se faire l'accès, que va se faire la rencontre entre le chevalier qui s'est égaré et la fée. Oui, tout se passe comme si le plan de la création avait été quelque peu brouillé, que les hommes aient été exclus du champ divin et de temps à autre, un signe nous est fait qui nous permet de réintégrer ce champ des dieux. Et Mélusine est en quelque sorte la figure symbolique de cette réintégration possible dans le plan général des divinités. Alors, peut-être conviendrait-il de voir comment Mélusine apparaît dans les divers récits qui nous sont faits de son histoire comme un élément médiateur, un élément de réparation à une création éclatée. Dans d'autres variantes du conte de Mélusine, il s'agit non pas d'un chevalier, mais d'un berger, qui, lorsqu'il fait très chaud, souvent à midi, voit descendre trois filles du ciel, souvent ailées,
à forme de serpente, et qui se baigne. C'est très important puisqu'il fait chaud. Enfin, je veux dire, c'est assez naturel. Elles se baignent et, pour se baigner, elles ont abandonné leurs vêtements, qui sont des vêtements d'invisibilité, sur le bord du lac où elles se baignent. Il va saisir l'un des vêtements et obtenir, grâce à ce vêtement, une association spécifique avec l'une des filles. Ou alors, il va saisir l'un des bijoux et là aussi, obtenir une association avec une des filles du ciel et l'épouser. Cette conjonction d'une fille du ciel et d'un enfant de la terre, nous la trouvons mise en scène dans un conte qui nous vient de l'île de Lesbos. Lesbos, depuis toujours prédestinée, comme Sappho en témoigne, aux éblouissements de la passion. Il y avait une veuve qui n'avait qu'un fils. Il était berger. Dès son lever, il menait les vaches dans une prairie où il passait toute la journée. À midi, il conduisait les bestiaux à un étang pour les faire boire. Après quoi, pendant la chaleur, il se reposait à l'ombre d'un arbre en jouant de la flûte. Le soir, il ramenait ses vaches à la maison, sa mère les trayait, recueillait le lait et en faisait des fromages. C'était ainsi que la mère et le fils gagnaient leur vie. Un beau jour, le jeune berger aperçut à midi trois jeunes filles qui volaient dans l'air. Elles s'approchèrent de l'étang et se posèrent au bord. Ce jeune homme remarqua qu'elles étaient presque nues. Elles n'avaient qu'une chemise blanche. Elles quittèrent donc leur chemise, qu'elles déposèrent sur la rive, et entrèrent dans l'étang pour s'y baigner. Stupéfait et charmé à la fois de ce qu'il voyait, le jeune homme se leva et se dirigea vers l'étang. Mais aussitôt qu'il s'en approcha, les jeunes filles sortirent de l'eau, remirent leurs chemises et disparurent. Le soir, le jeune homme n'en dit rien à sa mère. Le lendemain, il fut beaucoup plus matinal que d'habitude. Il mena les vaches au pré et resta toute la matinée près de l'étang à attendre. À midi, voilà que les jeunes filles reviennent pour se baigner. Elles quittent leurs chemises et entrent dans l'étang. À l'approche du jeune berger, elles se sauvèrent comme la première fois. Une fois, deux fois, à la troisième fois, le jeune homme était amoureux de l'une d'elles, si bien qu'il en languissait fort. Il répondait à peine aux questions qu'on lui posait, son esprit paraissait préoccupé de quelque chose de mystérieux. Plus le temps passait, plus il devenait pensif, et quand on lui parlait de jeune fille, il se mettait à soupirer. La veuve n'avait pas tardé à s'apercevoir que son fils était amoureux. Mais comment deviner ce qui se passait en lui, puisqu'il ne disait rien à personne? Un soir, donc, les larmes aux yeux, elle le força à lui raconter l'histoire des trois jeunes filles. « Eh bien, mon fils, je vois ce que c'est. Ce sont des fées qui, à midi, viennent se baigner. Ces fées ne sont pas de même nature que nous. Aussi, mon fils, je te conseille de ne plus mener tes vaches à cet étang. » À ces mots, le jeune homme s'évanouit. Alors, la mère lui dit « Eh bien, mon fils, je vais te donner un bon conseil pour t'emparer de celle qui te plaît. Demain, quand tu iras au pré, empêche tes bœufs de manger jusqu'à l'arrivée des jeunes filles. Alors observe bien où ton amante déposera sa chemise. Et quand elles se baigneront, fais semblant de vouloir faire boire tes animaux. Étant à jeun, ceux-ci n'auront pas soif, bien entendu. Ils voudront s'en aller. Ainsi, tu tourneras avec tes bestiaux autour de l'étang. Tâche alors de t'emparer de la chemise de la jeune fille que tu aimes. Elle te priera de la lui rendre. Mais toi, n'en fais rien, tu n'as qu'à me la porter. Elle te suivra. » Le jeune berger, suivant le conseil de sa mère, parvint à s'emparer de celle qu'il aimait. Les autres s'envolèrent. La voilà devant la veuve. La première chose que fit la veuve, elle enferma la chemise dans le coffre, dont, à partir de ce jour, elle porta toujours la clé sur elle. La fée, alors, se maria avec le berger et lui donna deux filles. Elle aimait beaucoup son mari et elle en était très aimée, ainsi que de sa belle-mère. Tiens.
Ici, comme dans l'histoire de Mélusine, l'enfant de la terre a trahi sa promesse. Il a ainsi rompu son lien avec l'au-delà. Et il lui faudra traverser de multiples épreuves. Il lui faudra lier pacte avec les oiseaux du ciel pour retrouver au mont des cailloux celle dont l'image toujours était à son cœur brûlure. Cette retrouvaille se fait d'ailleurs par la médiation d'un bijou, bijou qui est à la fois matière originelle précieuse et œuvre de l'invention humaine. Et par là, élément qui tient à la fois de l'humain et du cosmique, double appartenance que l'on pourrait retrouver dans le miroir de Mélusine. Car ainsi s'achève l'histoire du berger de Lesbos. Alors l'oiseau et le berger se mirent en route. Comme l'homme volait mieux que l'alouette, celle-ci se fâchait souvent et se posait à terre. Il fallut qu'il ôtât une de ses mules pour ne pas voler plus vite. Après un long, très long voyage, ils arrivèrent au mont des cailloux. L'alouette laissa son compagnon auprès d'une fontaine et regagna les champs. Voilà qu'arriva une jeune fille, une cruche à la main, pour puiser de l'eau. À ses traits, le berger crut reconnaître sa fille cadette. Il lui posa quelques questions au sujet de sa mère et de sa sœur. Il eut bientôt la certitude que c'était elle. Il lui demanda de le laisser boire à sa cruche et il y déposa sa bague. Un peu plus tard, lorsque la fée se servit de l'eau, elle aperçut la bague de son mari. Elle interrogea alors sa fille et apprit qu'un homme était assis près de la fontaine. Elle y courut. « Mon mari, comment as-tu pu venir dans cette contrée, inaccessible aux hommes? C'est ici le peuple des démons. Bientôt, ils vont passer pour aller aux villes. Hélas, tu périras. Va-t'en, mon cher mari, va-t'en, je t'en prie. » Et je te promets de regagner notre maison avec nos enfants. Je ne m'en irai qu'avec toi et nos enfants. Alors la fée alla chercher ses filles. C'était le moment où les diables se couchaient. La fée prit ses filles sur les bras, le berger mit ses mules, et tous deux se mirent en route pour revenir chez eux. Aussitôt les diables se réveillèrent. Ils sentirent que quelqu'un des leurs s'en allait. Ils se mirent à la recherche, en flairant, et approchèrent des fugitifs. Mais le berger couvrit sa famille de sa cape et réussit ainsi à échapper au danger. Arrivée dans la ville, la fée continua de vivre avec son mari et lui donna encore d'autres enfants. Ce rite de possession d'une fille du ciel par un fils de la terre, nous le trouvons en quelque sorte sous une forme inversée dans les mythes sur l'origine des géants. Car là, il s'agit de fils du ciel qui tombe amoureux des filles de la terre. Alors, tentons, Claude Gagnebet, d'aller à la rencontre de ces géants. Les géants, qu'est-ce ? Les fils des dieux, les Elohim. On trouvait les femmes belles. C'est très important, les femmes, des filles, des hommes, belles. Ils descendent et s'unissent à elles. Il faut savoir à quelle période. Ils engendrent des géants. Or, il faut rappeler que le géant, dans tout le monde antique, ses jambes se terminent en serpent. Nous voilà donc très proche du mythe équivalent qui est la descente des filles du ciel à une certaine date qui s'unissent aux fils des hommes.
Mais ces filles du ciel descendent auprès des hommes pour leur livrer une part des secrets des dieux. Car tout se passe comme si, dans le monde des dieux, l'accord n'était pas parfait sur le plan général qui est tracé à l'espèce humaine. Il y a une sorte de jalousie profonde de l'espèce divine vis-à-vis de notre propre espèce. Et à l'intérieur du monde divin, un certain nombre de créatures privilégiées, telles Mélusine, se chargent d'aller périodiquement auprès des hommes pour leur apporter une part de ces richesses qui sont normalement dévolues aux dieux. Alors, comment s'instaure ce dialogue entre ces créatures du ciel, et en particulier Mélusine, et le chevalier qui représente l'espèce humaine? Je crois qu'il s'instaure parce que Mélusine est une femme, et Mélusine est une serpente. La femme elle-même, pour l'homme, c'est la séparation d'avec les dieux. C'est ce que nous apprend le mythe de Pandora. Que se passe-t-il dans le mythe de Pandora? Prométhée a volé le feu, c'est-à-dire une partie divine, c'est-à-dire l'âme du ciel. Il l'a volé et il l'a donné aux hommes. C'est-à-dire qu'il a donné aux hommes leur âme proche du feu, la partie de leur âme qui est proche du feu stellaire, et l'homme est un mélange de cette partie d'âme qui est proche du feu stellaire et du corps. Comment Zeus va-t-il se venger de ce mélange? Il envoie la femme. En effet, la femme, c'est celle qui va opérer systématiquement la disjonction de la partie qui en nous est céleste et de la partie terrestre. Comment le fait-elle? Par la génération. C'est-à-dire, nous avons en nous de l'âme qui, pour les Grecs, est représentée comme une mousse, Aphrodite par exemple. Et la forme la plus élaborée de cette mousse, c'est le sperme, bien entendu, puisque c'est cette matière qui va véritablement, comme un mélange de gazeux et de liquide, c'est le pneuma qui est véritablement à l'intérieur du sperme qui va provoquer la fécondation au moment où il y a génération. Oui, parce que c'est le feu par excellence et c'est par le sperme que nous sommes immortels. C'est par cette matière que nous avons empruntée aux dieux que nous pouvons éviter le retour de cette partie du feu céleste vers le ciel. Les femmes vont donc maintenir par la génération, lorsqu'il y a enfantement, ce mélange des deux niveaux. Mais cela suppose qu'il y a un modèle, c'est ce que nous affirme Hésiode, hein. C'est le piège même que tend la femme normale, si l'on peut dire, en tant que Pandora, c'est le piège qu'elle tend aux hommes. Et c'est un piège, Hésiode nous l'affirme, qui est envoyé par Zeus en contre-coup du vol du feu céleste, qui a été pris par Prométhée et donné aux hommes. Quelles sont, dans d'autres traditions, les solutions à ce problème du mélange d'une partie divine et d'une partie somatique dans notre corps? C'est là que nous allons trouver le rôle d'une femme qui est en partie d'origine divine et qui est serpente. En effet, si elle est serpente, le problème qui se pose essentiellement pour une femme serpente, c'est comment va-t-elle accoucher? Oui, et là, il faudrait tout de suite préciser la place particulière de la femme serpente dans l'ensemble du jeu créateur.
précisément si l'on fait mention de cet accouchement de la femme serpente, de Mélusine en particulier, puisque le tabou fondamental sur lequel repose l'histoire de Mélusine, c'est l'interdiction faite à son mari de la regarder accoucher. Ceci nous ramène au début même, au commencement premier de l'histoire de l'espèce. Car le serpent, c'est celui qui, au commencement, a tenté d'introduire l'espèce humaine au mystère de la connaissance. En effet, dans la Genèse, nous voyons que le serpent, par l'intermédiaire d'Ève, va essayer de montrer aux hommes le chemin du royaume de la connaissance. Et à ce moment-là, se produit l'événement dramatique, l'événement capital qui va déterminer toute la suite de notre histoire, Dieu intervient. Car jusque-là, la génération, la succession de l'espèce était conçue comme une génération par le flanc. Oui, autrement dit, il y a deux modèles. Il faudrait ici rappeler l'histoire d'Adam et d'Ève. D'Adam et d'Ève, oui. Il y a deux modèles possibles à la succession des générations. Le premier est un modèle que l'on pourrait appeler généralement de naissance extraordinaire, qu'elle se fasse par n'importe où. Ce qu'il s'agit dans ces naissances extraordinaires d'éviter, c'est la naissance normale. La naissance normale au monde est une naissance catastrophique. Pourquoi ? Car elle s'accompagne de l'oubli des vies antérieures. Quelles que soient les traditions, quelle que soit la manière dont on marque cet oubli, que ce soit le fait de boire à la coupe de l'oubli, que ce soit le fait que l'on retrouve chez les rabbins d'effacer le souvenir sur le front d'où nous venez, qui est dû à l'ange de la naissance, il y a toujours, dans la naissance normale, un système effaceur de souvenirs de vie antérieure. Oui. Et cet effacement correspond dans le plan divin à une préoccupation extrêmement précise. Au début de la création, la première naissance, celle d'Ève, se fait par le flanc. Dieu emprunte une côte à Adam et ainsi il crée la première femme. Après la naissance d'Ève, le serpent vient proposer au premier couple humain l'accession à la connaissance divine. Et il leur dit, vous serez comme des dieux. Et c'est à ce moment-là que Dieu, pour défendre son pouvoir, instaure ce mode de naissance catastrophique que vous venez de décrire. Il déclare désormais, toi, femme, tu engendreras dans la douleur. C'est-à-dire que, portant l'enfant dans ton ventre et donnant naissance par les voies qui sont maintenant les nôtres, tu donneras à cet enfant qui vient au monde l'oubli de tout ce qui l'a précédé. L'invention par Dieu de ce système de naissance que nous connaissons maintenant et d'autre part la malédiction du serpent. Et en un certain sens, la résurrection de la femme serpente, la résurrection de Mélusine apparaît comme un piège contre Dieu. Apparaît surtout comme un choix pour les hommes entre ces deux types de naissances. Parce que ce que nous apprendrons, entre autres, les philosophies avec Platon, enfin, on peut s'interroger sur ce qu'est la maïeutique socratique. C'est quand même un art de l'accouchement, hein, et de l'accouchement des idées et de la mémoire. Il s'agit de se souvenir. Justement, on n'apprend jamais, on ne fait que se souvenir. Chez Platon, dans certains mythes, nous retrouvons exactement cette chose-là. Par exemple, à l'origine même de la famille d'Œdipe. À l'origine de la famille d'Œdipe, nous avons aussi un serpent et une serpente. C'est Cadmos et Harmonie. Lorsque les deux héros fondateurs de Thèbes, les deux ancêtres d'Œdipe, veulent créer ceux qui vont être les premiers fondateurs de Thèbes,
Que font-ils? Ils ne s'unissent pas. D'une part, ils tuent un serpent, ils tuent un dragon, en sèment les dents. Il en est des guerriers qui s'entrebattent. Il n'en restera que sept qui vont fonder Thèbes. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que la génération, telle qu'elle est proposée à ce moment-là, était inversée. Si les hommes naissent adultes d'un sillon, semés, c'est l'ensemble des mythes relatifs aux hommes semés, eh bien, s'ils naissent de cette manière, Platon nous explique bien que cela veut dire qu'ils naissaient dans un temps différent. Ils ne connaissaient pas notre temps. En effet, Platon nous dit, eh bien, cela se passait très probablement pendant le temps de Chronos. Les hommes naissaient adultes, vieillards éventuellement, et puis allaient en rajeunissant et disparaissaient lorsqu'ils devenaient très jeunes. Si nous avons un accès à ce temps inversé, c'est un autre système qui nous permet d'éviter et l'oubli et la mort. Le système qui est important dans la mesure où le descendant de ce serpent et cette serpente que seront Cadmus et Harmonie sera Œdipe. Or, toute l'histoire d'Œdipe nous montre que, sans nul doute, ce qu'il cherche à faire, c'est par rapport au temps normal, par rapport à l'évolution normale d'un homme, à revenir sur ses pas. Ce système d'inversion du temps est sûrement un des systèmes qui nous permettrait d'être immortels. Et il suffit de se représenter l'image qui est celle de l'immortalité dans l'Antiquité, c'est-à-dire l'image d'un serpent qui se mord la queue, pour voir ce que cela signifie. Le temps de l'éternité est un temps alternatif. C'est un aller et retour de certaines générations sur soi-même. Si nous reprenons la configuration parallèle de Mélusine et d'Œdipe, nous voyons que nous nous trouvons en face du même mystère des origines. Dans l'histoire de Mélusine, il y a un point très particulier, celui du premier interdit qui est fait au chevalier. Tu ne regarderas pas ta femme accoucher. C'est-à-dire que tu ne t'interrogeras pas sur l'origine de ta postérité. Tu ne chercheras pas à savoir d'où viennent tes enfants et, du même coup, ce qui est sous-entendu, tu ne chercheras pas toi-même à savoir d'où tu viens. Bon. Mais c'est le problème même que pose Œdipe. Et la tragédie œdipéenne, c'est précisément celle de l'homme qui a voulu savoir d'où il venait, où il allait. C'est très curieux parce que lorsque Sophocle nous présente Œdipe, il nous présente l'histoire d'une enquête. L'histoire d'une enquête de quelqu'un qui, en dépit des avertissements qu'on lui a faits, cherche à connaître son origine. Alors, on a tendance à penser, cherche à connaître son origine sociale. En fait, que se passe-t-il pour Œdipe ? Il a des ennuis de pied. Il a des ennuis de pied, exactement comme tous les êtres serpentiformes. Il suffit de rappeler, par exemple, le texte de la Bible, nous disant « tu piqueras la femme au talon ». C'est au moment même où s'instaure la génération que l'on nous dit d'une part que le serpent va perdre ses pieds, qu'il va ramper, et que d'autre part, il aura des rapports étroits avec le talon de la femme. Chose bizarre. Ça veut dire simplement, d'une part, il a des ennuis avec le pied, et d'autre part, il résout une énigme qui est une question de pied. Comment ne résoudrait-il pas lui dont le nom même signifie pied gonflé, une énigme
où il s'agit de savoir comment marche l'homme. Quel est son type de démarche? Bien. Et qui nous apprend que l'homme n'est pas du tout un bipède, comme on le dit d'habitude. L'homme commence par être quadrupède, puis il est bipède, puis il est tripède. Bien. Mais Œdipe lui-même, il va connaître un rythme différent d'évolution, entre autres, puisqu'aussi bien il est... Son père lui-même est appelé le boiteux, l'Abdakos. Et lui-même, il a les pieds gonflés. Et enfin, je rappelle qu'il est descendant de serpent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus d'ennuis de pied que lorsque l'on est descendant de serpent. Il aura, disons, des ennuis tels que, bien qu'étant à l'âge adulte, il marchera avec une canne. Tous les personnages à origine serpentiforme ont des ennuis de démarche. C'est leur marche qui est posée. Lorsque Rabelais évoque Mélusine, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il nous dit que Mélusine, semblable à la reine des andouilles, a inventé les litières, les coches, les chars. Alors, pour trouver le sens même de sa boiterie, de sa difficulté d'être avec ses pieds, Œdipe va s'adresser au personnage qui, apparemment, va être pour lui le plus catastrophique, c'est-à-dire à une sphinge qui est elle-même un serpent. Oui, il va s'adresser, on sait que la forme de la sphinge, qui s'appelait Phnix autrefois, est une lamie, ou une empouse. Dans le nom même d'empouse, il y a le fait qu'elle avait un pied d'une certaine conformation. Ça désigne un pied, là aussi. C'est une lamie, c'est une empouse, qui cherche à atteindre les jeunes gens. Donc, elle aussi est de type Mélusine, dont la démarche elle-même est oblique, et qui va poser des questions obliques. C'est la définition même de l'énigme. Légende commune au pays slave, où l'on voit que l'amour vous appelle parfois certaines créatures, est lourde menace, ainsi que nous l'enseigne l'histoire de Mélusine. La Serpolnica est une femme sauvage qui vit dans une grotte au milieu de la forêt et porte de longs cheveux hirsutes. Elle parcourt les champs de midi à 1 h de l'après-midi. Elle s'intéresse tout particulièrement aux jeunes gens à qui elle pose des questions à double sens. S'ils ne parviennent pas à y répondre, elle les oblige à faire l'amour avec elle et leur enfonce sa longue langue velue dans la bouche. Qu'est-ce que l'énigme? C'est quelque chose qui parle de travers. Bon. Et quelqu'un qui marche de travers va comprendre une question posée de travers. Tout le langage, du moment qu'il est métaphorique, va en oblique. Qu'est-ce que parler de travers? C'est dans l'énigme désigner ce qui est en soi, enfin logiquement si on peut dire scandaleux, désigner le début de la vie comme le matin, désigner l'homme comme un animal. Légende venue jusqu'à nous de Hongrie, où l'on voit que, comme nous le dit l'histoire de Mélusine, à la fois femme et serpente, les frontières du monde animal et du monde humain sont en vérité fort imprécises. Il était une fois un pauvre fermier qui ne possédait qu'une petite ferme et 2 bœufs. Survint un ours qui le regarda labourer. « N'aie pas peur, lui dit l'ours, dis-moi, pourquoi ces bœufs sont-ils si gras ?»« C'est parce qu'ils sont châtrés, répondit le fermier. « Très bien, dit l'ours, tu vas me châtrer aujourd'hui et moi je te châtrerai demain. » Le fermier châtra donc l'ours et il s'en fut chez lui. Mais il se sentait fort triste et décida de ne pas aller labourer son champ. Il raconta ce qui s'était passé à sa femme qui lui dit qu'elle allait arranger les choses. Elle revêtit les habits de son mari et partit labourer à sa place. Quand l'ours vit la femme, il fut effrayé devant les effets de la castration et courut chercher les herbes pour soigner la blessure. Il dit au renard, « Va éventer ce pauvre homme de ta queue touffue en attendant que je revienne avec les herbes. » Le renard entreprit donc d'éventer le vagin de la femme, mais celle-ci se mit fort en colère et lâcha un paix retentissant.
Le renard s'enfuit et dit à l'ours « On m'a tiré dessus avec un fusil !» Et tous deux de se sauver en grande hâte. Ah, mais si on accepte que le début de la vie soit le matin, si on accepte que l'homme soit un animal, si on accepte de parler, d'employer un même terme pour pied et patte, toute une série de conséquences s'ensuivent. Entre autres, la confusion de l'homme et de l'animal, l'inceste. L'animal, c'est celui qui ne connaît pas l'inceste. La définition pour Platon de l'homme, il n'y a aucun doute, c'est celui qui évite le mélange qui résulterait de l'inceste. C'est ça la définition même de l'homme. Bon. Oui, et alors Œdipe, lui, va prendre le chemin inverse. Œdipe, lui, prend, dès le départ, dès le moment où il résout cette énigme, il va prendre un chemin oblique. Chemin oblique, d'ailleurs, qui va le mener où ? Aussi à la rencontre de son père. Vous savez qu'il rencontre son père sur la route de Delphes. Son père est en char, il est boiteux. Bien sûr qu'il se déplace en char. L'invention même du char chez les Grecs est due à un boiteux, Erichthonios, fils de la terre, à jambes de serpent. Un char, ce sont deux sillons très profonds, parallèles. Pour rencontrer des sillons parallèles, il faut avoir une démarche oblique. La seule personne qui puisse rencontrer du parallèle, c'est l'oblique. Les personnages serpentiformes qui sont de deux natures sont de la nature de l'oblique. Dans la légende d'Œdipe même, Tirésias, celui qui s'est transformé en femme pour avoir séparé des serpents accouplés, c'est Tirésias, donc celui qui a un rapport étroit avec le serpent et avec Apollon, bien entendu, qui prédit à Œdipe ses malheurs. Oui, et alors, dans sa démarche oblique, Œdipe, comme le chevalier d'ailleurs vis-à-vis de la Mélusine, va rencontrer le mystère même qu'il ne devait pas connaître, qui est le mystère de son origine. Pour les Grecs, ça a un nom très précis, cette histoire. C'est l'histoire du clinamen. Il s'agit pour les Grecs d'expliquer pourquoi il y a quelque chose. Bon. Or, que disent-ils ? Les atomes, au départ, ne pouvaient aller que parallèles. Ils tombaient parallèles dans le vide. On n'imagine pas pourquoi. Des atomes n'iraient pas parallèles. Tant que les atomes tombent parallèles dans le vide, il n'y a rien. Et il y a des atomes qui tombent parallèles dans le vide. Il y a du rien. Et, brusquement, sous une influence qui est justement le début du temps, le début de l'histoire, le début du quelque chose, et le début du conte, et le début du récit, et le début de n'importe quoi, il y a une inclinaison, une oblique qui se crée, le clinamen. Il suffit qu'un atome aille légèrement en oblique et aussitôt, il se passe quelque chose. Que se passe-t-il ? Dans le cas d'Œdipe, il se retrouve là d'où il était parti. Le voyage d'Œdipe le conduit ainsi à aller là où il ne devrait pas aller, c'est-à-dire au fond de sa mère. Déjà dans les textes grecs, on nous dit l'aveugle a une canne qui est au fond semblable à un organe sensoriel, mais un peu comme si l'œil était situé au bout de la canne. On a reconnu depuis longtemps que le bâton d'Œdipe allait être un organe phallique. Donc, ce que, non pas au point de vue moral, mais au point de vue réel, fait Œdipe, il va, avec l'œil qu'il a au bout de la queue, selon l'expression populaire, il va regarder d'où il vient. Mais véritablement, et ça, c'est quelque chose qu'il est très dangereux de faire et qui doit être payé absolument par le fait de perdre la vision, oui, de perdre la vue. Et alors là, si nous revenons à l'histoire de Mélusine,
nous nous apercevons que nous nous trouvons dans une situation relativement identique à celle d'Œdipe. Car Mélusine, de la part des dieux ou de la part d'une partie des dieux, vient apporter aux chevaliers, c'est-à-dire vient apporter aux hommes, un certain pouvoir créateur. Mais ce pouvoir créateur est limité dans la mesure où le chevalier, c'est-à-dire les hommes, ne doivent pas regarder dans certaines directions. Oui, dans le cas de Mélusine, ils ne doivent pas voir quel est le choix que Mélusine, mi-femme, mi-serpente, a fait quant à la génération. A-t-elle choisi d'avoir des enfants en tant que femme, auquel cas nous aurons des enfants normaux? A-t-elle choisi de les avoir en tant que serpente, auquel cas nous avons une naissance extraordinaire, naissance d'ailleurs qui est comptée d'Alexandre, par exemple, dont on dit que la mère était visitée par un serpent. Nous aurons une naissance extraordinaire, c'est-à-dire la naissance d'hommes qui participent par leur mode même de sortie du ventre maternel, qui participent du divin. Oui, et alors il faut rappeler ici que Mélusine se trouve à l'origine de l'histoire des grandes familles, c'est-à-dire de ces lignées qui vont donner à la cité humaine son plein épanouissement, mais que cette lignée ne peut se fonder que sur des créatures qui vont, par l'intermédiaire de Mélusine ou de femmes semblables à Mélusine, naître par le flanc, c'est-à-dire naître de manière extraordinaire. Et c'est cette naissance extraordinaire qui va donner aux enfants de Mélusine et de Raymondin, enfin à tous les enfants de chevaliers et de fées, des caractéristiques particulières qui font d'eux des fondateurs de civilisation. L'histoire se retrouve même, par exemple, à l'origine de Mérovée. Un monstre marin sort de la mer et Mérovée s'unit à ce monstre et ça va être l'origine des Mérovingiens. Nous le retrouvons à l'origine des Lusignans, c'est évident. Nous le retrouvons même très loin et avec un thème identique dans la mythologie japonaise. Et alors, je voudrais maintenant aborder le deuxième interdit qui pèse sur les relations entre le chevalier et Mélusine, qui est l'interdit du bain. Tous les vendredis, selon certains récits, tous les samedis, selon d'autres, Mélusine s'en va au bain. Ou plutôt, elle s'en va dans un endroit que son mari, le chevalier, n'a pas le droit de connaître. Or, cet endroit, c'est celui où Mélusine va se laver, se peigner, se regarder dans son miroir. Et cette appartenance de Mélusine au monde de l'eau qui purifie, de l'eau qui lave, de l'eau qui métamorphose, apparaît comme la toile de fond générale du destin de Mélusine. Elle se définit par son rapport avec le bain. On pourrait penser qu'il s'agit simplement d'une question de nudité. Mais la nudité d'un serpent, c'est bien plus que la nudité d'un homme. Et je crois que c'est très important. Mélusine est plus que nue. En effet, un serpent, c'est déjà l'être parfaitement lisse. Mais un serpent peut faire plus qu'enlever ses vêtements. Il enlève sa peau. C'est-à-dire que nous avons plusieurs degrés dans la nudité. La serpente, c'est celle qui enlève sa peau. Le fait qu'un être soit capable de se dépouiller, de dépouiller le vieil homme en dépouillant la vieille peau, il est certain que c'est en rapport avec la possibilité
d'être immortel, et c'est pour ça que le serpent est sûrement une des représentations les plus fréquentes de l'immortalité. Mais c'est aussi un degré supplémentaire de pénétration à l'intérieur de l'être. Et c'est pour cela que je crois qu'on va retrouver quelque chose de très proche de ce regard jeté par Œdipe à l'intérieur de l'être d'où il provient. Là, nous avons un regard aussi interdit, qui est un regard jeté au-delà de la peau de l'être que nous aimons. Et un regard jeté au-delà de la peau de l'être que nous aimons, c'est un regard catastrophique. Parce que c'est une manière de pénétrer à l'intérieur d'un être. Légende venue de la Colombie-Britannique, où l'on voit combien il est difficile pour les hommes de connaître d'amour les filles conçues au sein de l'eau, telle que le fut Mélusine. Sun Tia précipita sa mère dans un lac parce qu'elle ne voulait pas lui dire qui était son père. Elle donna naissance à des enfants engendrés par le lac. Ses descendants étaient très beaux, et tout particulièrement les jeunes femmes. Les jeunes gens du village auraient aimé les épouser, mais quand ils entraient dans les maisons des gens du lac, ils étaient saisis par l'odeur de grenouilles et sombraient dans un sommeil qui les faisait immanquablement mourir. Un jeune homme se rendit dans la montagne et y passa 5 ans à se préparer un filtre, tant il désirait surmonter cette difficulté. Il acquit le savoir désiré. Comment échapper à la mort tout en ayant des rapports sexuels avec les mangeuses de grenouilles. Et le troisième regard, si l'on peut dire, c'est le regard sur le nom. Elle a un noyau qui est son nom, le nom secret qu'elle ne veut pas qu'on le prononce. Et là aussi, à un moment, le héros cherche à pénétrer. Autrement dit, lorsque un être humain s'associe à un être de l'au-delà, il faut qu'il sache éviter d'essayer de pénétrer trop loin dans cet être de l'au-delà. Car ce n'est qu'au prix d'une certaine distance entre ces deux êtres que le mariage est possible. Et oui, pour cause, puisqu'il y a une immense distance qui est la distance de la mort à l'immortalité. Cette distance ne peut être franchie impunément. Et celui qui, comme Raymondin face à Mélusine, a lien avec l'au-delà, celui-là doit se garder de transgresser les interdits, par conséquent de voir plus loin qu'il n'est permis. Et c'est ce que nous révèle un conte japonais qui date du 9e siècle avant Jésus-Christ, antérieur par conséquent de près de 2 millénaires à la première légende de notre Mélusine. Dans ce conte, Izanaki le roi et Izanami la reine avaient commencé à peupler le monde de leurs nombreux enfants jusqu'au jour où Izanami fut rappelé au royaume des enfers. Alors, le roi Izanaki se rendit aux enfers pour reprendre son épouse. Lorsqu'elle vint à sa rencontre à la porte close du pavillon, le roi lui dit: « Oh, ma chérie, oh, toi, ma femme, les pays que toi et moi nous avons créés ne sont pas encore achevés. Reviens. » Alors la reine répondit: « Comme il est regrettable que tu ne sois pas venue plus tôt. J'ai déjà pris le repas préparé dans le chaudron des enfers. Toutefois, je suis très émue que mon cher mari, si beau, soit venu. Je retournerai donc. Je vais tout d'abord en parler aux divinités des enfers. Mais surtout,
Ne me regarde pas. Ayant ainsi parlé, elle entra à l'intérieur du pavillon. Mais l'attente parut trop longue au roi. Il entra donc à son tour et regarda. Il s'éclaira à l'aide de l'une des deux grosses dents de chaque extrémité du grand peigne qui retenait ses cheveux sur la gauche de sa tête et qui l'avait enflammée. Alors, il découvrit le corps de sa femme couvert d'une multitude de vers grouillants. Et, à sa tête, le grand tonnerre, à sa poitrine, le tonnerre flamboyant, à son ventre, le tonnerre noir, à son sexe, le tonnerre déchirant, à sa main gauche, le tonnerre jeune, à sa main droite, le tonnerre au sol, à son pied gauche, le tonnerre bruyant, à son pied droit, le tonnerre foudroyant. Toutes les 8 divinités du tonnerre étaient nées en parasitant sur elle. Le roi, terrifié à cette vue, s'enfuit. Son épouse s'écria : « Tu me fais honte !» Et elle lança les femelles répugnantes des enfers à sa poursuite. Alors, le roi jeta sa coiffure noire et le raisin naquit dans cette contrée. Pendant qu'elle le cueillait et le mangeait, il continua de s'enfuir. Mais elles reprirent leur poursuite. Alors, il tira le grand peigne qui retenait ses cheveux sur le côté droit, le cassa en lançant les morceaux d'où naquirent des pousses de bambou. Pendant qu'elle les arrachait et les mangeait, il continua de s'enfuir. Mais la reine le fit poursuivre par les 8 divinités du tonnerre auxquelles elle ajouta 1500 soldats des enfers. Alors, il tira son épée longue de 10 points. Il continua de s'enfuir, tout en faisant des moulinets de ses bras rejetés en arrière. Et la poursuite continua. Lorsqu'ils arrivèrent au bas d'une pente marquant les confins des enfers et de ce monde, le roi prit 3 fruits d'un péché qui se trouvait là, attendit un peu et les lança sur ses poursuivants qui prirent tous la fuite. Le roi déclara alors à ses fruits du péché : « Comme vous m'avez aidé, aidez tout le peuple d'aujourd'hui, vivant au pays au milieu des champs de roseaux, lorsqu'il traversera une période difficile. » Et il leur donna le nom de Majesté Grand Camille de Fruits. Enfin, son épouse le poursuivit elle-même. Alors, il dressa une frontière en tirant un rocher qui ne pouvait être déplacé que par au moins 1 millier de personnes au bas de cette pente marquant les confins des enfers et de ce monde. Ils se tinrent face à face, le rocher entre eux, et décidèrent leur séparation. La reine dit : « Oh, toi, mon mari chéri, si tu en décides ainsi, j'étranglerai 1000 personnes par jour parmi les gens de ton pays. » Le roi répondit : « Oh, toi, ma femme chérie, si tu agis ainsi, j'établirai 1500 maternités par jour. » Pour cette raison, 1000 personnes meurent fatalement par jour, et il en est 1500 fatalement par jour. Ainsi s'installa la mort dans le pays des hommes. Dans ce conte japonais, nous retrouvons les mêmes interdits que nous propose l'histoire de Mélusine et de son compagnon. Et dans cette histoire, il y a 2 éléments qui jouent un rôle important. C'est la voix et la chevelure. Dans son bain, Mélusine chante. Et ce chant ne doit pas être entendu du chevalier, car il est l'expression de ce qu'il y a de plus profond, de plus intime à Mélusine même. Et c'est pourquoi le chant de Mélusine, comme le chant de la sirène, est le chemin de l'enchantement. Tous les mythes de la Lorelai, finalement, dérivent
de cet interdit jeté sur la voie qui appartient à Mélusine en propre. Et par là, toute communication avec la voix de la sirène, avec la voix de Mélusine quand elle chante dans son bain, ouvre sur la catastrophe. Mais face à cette catastrophe, le monde de la chevelure représente au contraire une sorte d'élément protecteur, car la chevelure de Mélusine représente le voile qui couvre sa nudité. Et en un certain sens, c'est une médiation entre l'homme et la femme. Et on ne s'étonnera pas que ce thème de la chevelure ait été repris dans tout notre lyrisme comme un des éléments à travers lequel l'homme peut saisir sans trouble, sans menace grave, l'essence même de la féminité. En ce qui concerne les sirènes, lorsque Platon nous décrit la descente des âmes sur terre, il évoque ces sirènes qui sont situées sur un certain nombre de fuseaux et qui chantent aux oreilles de l'âme qui descend. Et vous savez que l'origine de la théorie platonicienne de l'émotion musicale, c'est que en descendant, l'homme entend les notes de chacune des sphères musicales, puisque ce sont des corps qui vibrent en l'air. Lorsque nous sommes arrivés sur Terre, nous y devenons sourds, pour la plupart. Et ce qui est important, c'est de savoir quel type d'homme n'est pas rendu sourd par le bruit du monde à la musique célestielle. C'est bien entendu le type d'homme qui s'est associé aux sirènes. Dans l'Odyssée, c'est clair, c'est Ulysse. C'est Ulysse qui a su rester les oreilles ouvertes à cette musique qui risquait de l'arrêter dans sa course. C'est donc, à mon sens, un mythe qui décrit aussi le destin de toute âme lorsqu'elle s'incarne et la possibilité qu'a toute âme, lorsqu'elle s'incarne, de faire une alliance avec le personnage qui garde la coupe d'immortalité ou la fontaine d'immortalité, c'est-à-dire la serpente d'eau, l'hydre, ce qui est inscrit dans les constellations elles-mêmes, puisqu'il y a une constellation appelée l'hydre qui garde la coupe de Bacchus. Cette âme doit connaître, de façon à parvenir avec le souvenir sur notre terre, une naissance particulière d'une part, et bien entendu une certaine purification. Eh bien, cette image même de la purification, elle lui est donnée par Mélusine en train de se peigner. D'une part en train de se peigner, et d'autre part en train de se peigner dans un miroir. L'opération même de peigner est une opération de purification. C'est-à-dire que l'image qui est inscrite là, fondamentalement, c'est celle d'une plante textile. Il ne faut pas oublier que la Lorelei est associée étroitement au lien, aux plantes textiles. C'est elle qui va favoriser les longues fibres des plantes textiles. Or, que fait-on avec les plantes textiles ? Les liens. C'est-à-dire essentiellement ce qui nous relie à l'au-delà. Et je crois que c'est un symbolisme très simple. Lorsque Mélusine se peigne, elle offre l'image d'un cardage, c'est-à-dire d'une
purification, on enlève par le peignage toutes les parties inutiles de la fibre textile et on ne garde que ce qui va permettre de faire l'image même de ce qu'on peut appeler la religion. Religieux, ce qui nous relie à l'au-delà. Donc, première image. Elle se peigne devant un miroir. Dans ce miroir, chose très curieuse, dans beaucoup de variantes de Mélusine, on nous indique que l'homme qui s'approcherait de Mélusine par derrière verrait dans le miroir sa mort. C'est-à-dire qu'au lieu de refléter son visage, ce miroir reflète son crâne. Qu'est-ce que ça signifie? Quand utilise-t-on le miroir? Depuis très longtemps, on utilise le miroir au moment même de la mort. À ce moment précis où son âme s'est échappée, l'âme se voit dans le miroir. Il y aurait lieu de reprendre les types d'antimorts que sont, dans ce sens, les vampires, qui ne se réfléchissent pas dans les miroirs. Lorsque Plutarque cherche à définir ce qu'est la doctrine de l'inspiration, par exemple, et il la définit en rapport avec le souffle, inspiration, expiration, eh bien, il dit que si l'âme particulièrement divine arrive à bien réfléchir comme un miroir les événements du passé, ou à prévoir et à bien voir les événements du futur, c'est que c'est un souffle sec et que ce souffle sec ne ternit pas le miroir. C'est le souffle de notre mort, c'est notre âme. Lorsque notre âme s'échappe, puisqu'elle est un souffle qui participe du feu, puisque c'est un pneuma igné, elle ne ternit pas le miroir. Et je crois que ce miroir tendu aux morts, c'est le miroir que tend Mélusine. Or, d'autres mythes nous donnent cette idée du renversement, puisqu'un miroir offre une image inversée, du renversement que constitue la mort. En effet, pourquoi Mélusine tend-elle le miroir pour en quelque sorte offrir l'image de la mort à celui qui vient la voir par derrière? C'est qu'elle ne veut jamais être vue par derrière. Il y a un endroit de Mélusine, il y a un endroit de la femme fée qu'il ne faut jamais regarder. On possède la variante dans énormément de contes. C'est un creux situé entre les épaules et dans lequel apparaissent des ossements. C'est très curieux, c'est une femme très belle qui est toujours représentée comme même séductrice et dans son dos, dans un endroit très précis, qui est l'endroit que justement nous ne pouvons pas voir. Je pense que vous connaissez cet endroit très inquiétant à mon sens, qui est l'endroit où la mort peut nous frapper sans que nous la voyons. Oui, d'où la fonction proprement funèbre que remplit Mélusine dans une large part des récits qui racontent son histoire. D'où l'association faite longtemps entre la présence du serpent dans la maison et l'annonciation de la mort. Car si Mélusine introduit dans le domaine du chevalier, c'est-à-dire dans le domaine des hommes, une partie des dons divins, si elle apporte avec elle la prospérité, la gloire sur laquelle se fonde l'histoire, elle apporte aussi la fin de cette histoire, elle apporte aussi la destruction de la cité, puisque à un certain moment, elle annonce la mort. Fondatrice de la famille, mais aussi
elle réapparaît en voletant et en criant avec un cri en rapport étroit avec la mort. Elle réapparaît chaque fois qu'un membre de la famille va mourir. Ce qui veut dire une chose, c'est que, pour reprendre la tradition rabbinique, l'ange de la mort, c'est le même que celui de la vie. L'ange de la naissance, c'est celui qui va nous assurer le passage dans l'au-delà. Pour une raison simple, c'est que, non pas, comme on le dit philosophiquement, la mort c'est la vie c'est la mort, avec cette sorte de mélange dialectique un peu mou. Pas du tout. Mélusine a assisté à l'incarnation, elle a même favorisé l'incarnation dans un certain contexte précis, du premier fondateur de la famille. C'est elle qui a, à une date précise, donc dans certaines conditions astrologiques, par exemple, précises, qui a formé cette association spécifique d'un être mortel avec un être immortel. Ce qu'elle a fait, elle seule peut le défaire. Ce qu'elle a lié, elle seule peut le délier. Autrement dit, tout ce qui est le rapport entre lié, délié, entre mélangé, séparé, dans la mesure où il s'agit de deux substances qui ont été associées de manière spécifique, ce rapport est illustré par le fait que Mélusine assiste à toutes les morts. Oui, c'est-à-dire que par la naissance et par la mort personnelle, elle fonde véritablement le destin de ses enfants, les hommes. Elle leur donne sa véritable dimension divine, puisque en les intégrant dans le circuit humain, puis en les projetant ensuite à travers la mort dans le destin universel, elle les fait participer de l'ensemble du champ du savoir divin. Elle les réintroduit à une connaissance. Et cette connaissance se retrouve, et c'est pourquoi Mélusine est en quelque sorte à la source des grandes familles, de la famille humaine. Elle fonde ce qu'on pourrait appeler une généalogie. C'est-à-dire que les enfants de Mélusine ne sont pas à regarder dans leur individualité, mais ils sont à regarder comme maillons d'une chaîne familiale qui fonde l'histoire. Et cette activité généalogique, elle se retrouve dans un des visages les plus répandus de Mélusine, qui est la Mélusine constructrice. Si Mélusine construit, comme nous le rapportent les légendes, tant de châteaux, si elle édifie tant de domaines, ce n'est pas simplement par besoin de dispenser aux hommes une richesse que les hommes naturellement ne posséderaient pas. C'est parce que elle veut fonder la cité sur une sorte d'invention perpétuelle qui donne à l'histoire humaine une autre dimension. Car que signifient ces châteaux ? Ils peuvent être l'expression du pouvoir spécial que Mélusine a accordé aux familles avec lesquelles elle s'est associée dès le départ. Je pense que c'est une vue très médiévale, disons. On sait qu'à l'origine, elle n'est pas associée à des châteaux. Elle est associée à des mégalithes. Elle est associée, elle est porteuse de pierres. Elle est porteuse de ce qu'on appelle les dornées, c'est-à-dire qu'elle porte dans son manteau d'énormes masses de pierres et de terre, et brusquement, le manteau ou le devanteau craque et forme un tumulus. Donc, elle est, dans ce cas-là, très proche des géants porteurs de pierres ou formeurs de tumuli, c'est-à-dire essentiellement de Gargantua. Et là, je pense que le thème de l'association Gargantua-Mélusine que l'on retrouve
chez Rabelais, puisque si bien Rabelais nous parle d'une parenté entre Pantagruel et les Lusignans, parenté sur laquelle je crois qu'il faudrait bien insister, ne serait-ce que ce que nous avons vu à propos de la sécheresse, et de Pantagruel, et de la soif. C'est sûrement parce qu'il avait ressenti ce que la mythologie française a depuis démontré, c'est-à-dire qu'il y avait associé à Mélusine un géant qui lui aussi assurait à ceux qu'il protégeait un certain mode d'immortalité. Et j'ai l'impression que plus que cet aspect-là, l'aspect qui apparaît assez souvent dans ces constructions, c'est qu'elles sont inachevées, d'abord. Très souvent, il y a une fêlure. La tour est fêlée. Lorsque Mélusine est partie, elle a éclaté telle ou telle partie du château. C'est des thèmes qui, même au Moyen-Âge, sont ressentis comme une punition divine. Mais il est normal qu'il y ait une punition divine sur Mélusine. Il est normal qu'au Moyen-Âge, elle ait des noms tels la Berthaude, qui signifie qu'elle est proche du diable. Il est normal que les premiers théologiens qui l'évoquent la comparent à la prostituée de Babylone, la comparent à la dragonne qui apparaît dans l'Apocalypse. C'est que tout cet effort de Mélusine pour diviniser l'homme, c'est un effort qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. D'ailleurs, cet aspect diabolique de la femme serpent se manifeste bien antérieurement au christianisme. Et dans la Grèce antique, par exemple, apparaissent souvent ces êtres de l'au-delà qui viennent tourmenter les humains. En témoigne cet épisode de la vie d'un jeune étudiant de Corinthe, tel qu'on peut en trouver narration dans la vie d'Apollonius de Tyane. Un jour que Ménippe marchait seul sur une route, un fantôme lui apparut sous la figure d'une femme qui lui prit la main, lui dit qu'elle l'aimait depuis longtemps, qu'elle était phénicienne et demeurait dans un faubourg de Corinthe. Elle le lui désigna. « Venez me trouver le soir. Vous m'entendrez chanter. Je vous ferai boire du vin, comme vous n'en avez pas encore bu. Vous n'aurez pas à craindre de rival. Belle comme je suis, je serai heureuse de vivre avec un beau jeune homme comme vous. » Le jeune homme fut vaincu par ces paroles, car bien que philosophe du reste très solide, il ne savait pas résister à l'amour. Il alla donc chez cette femme chaque soir, et pendant longtemps la fréquenta comme sa maîtresse, sans se douter que ce ne fût qu'un fantôme. Apollonius considéra Ménippe avec le regard attentif d'un sculpteur. Quand il eut ses traits bien gravés dans la mémoire... « Savez-vous, beau jeune homme, vous qui êtes courtisé par les belles dames, que vous réchauffez un serpent et qu'un serpent vous réchauffe. Vous êtes lié avec une femme qui n'est pas votre épouse, mais croyez-vous qu'elle vous aime ?»« Oui, certes. Toute sa conduite me le donne à croire. »« Et l'épouseriez-vous bien ?» Ce serait pour moi un grand bonheur que d'épouser une femme qui m'aime. À quand la noce ? À bientôt. À demain, peut-être. Apollonius attendit le moment du festin. Et quand les convives furent arrivés... Où est la belle que vous fêtez ? La voici. À qui de vous deux appartiennent l'or, l'argent et les autres objets précieux qui ornent cette salle ? À ma femme, car voilà tout ce que je possède. Et Ménippe montrait son manteau. « Connaissez-vous les jardins de Tantale, qui sont et ne sont pas ?»« Oui, mais seulement par Homère, car nous ne sommes pas descendus dans le Tartare. »« Eh bien, tout ce que vous voyez ici est la même chose. Il n'y a ici nulle réalité, tout n'est qu'apparence. Voulez-vous que je me fasse mieux comprendre ? La charmante épousée est une de ces empuses que le peuple appelle l'ami ou mormolis. » Elles aiment beaucoup l'amour, mais encore plus la chair humaine. Elles allèchent par la volupté ceux qu'elles veulent dévorer.
Indigne calomnie, s'écria la jeune femme, et elle parut indignée de tout ce qu'elle venait d'entendre, et s'emporta contre les philosophes qu'elle taxa de cerveaux creux. Tout d'un coup, les coupes d'or et les vases qu'on aurait crus d'argent s'évanouirent. Tout disparut, on ne vit plus ni échanson, ni cuisinier, ni aucun des autres serviteurs. Les paroles d'Apollonius avaient dissipé le prestige. Alors le fantôme se mit à pleurer et supplia Apollonius de ne pas le mettre à la torture pour lui faire avouer ce qu'il était. Mais comme Apollonius le pressait et ne voulait pas le lâcher, le fantôme finit par reconnaître qu'il était une empuse, qu'il avait voulu gorger Ménippe de plaisir pour le dévorer ensuite, et qu'il avait coutume de se nourrir ainsi de beaux jeunes gens parce qu'ils ont le sang très frais. Cette légende fantomatique a revêtu dans nos contrées d'autres visages qui, en bien des lieux, recouvrent d'ailleurs ceux de Mélusine. La Vouivre, par exemple, à laquelle Marcel Aimé devait donner sa figuration la plus contemporaine, c'est l'enfant dernier de cette femme serpente qui, sous les enchantements de l'amour, va entraîner en de grands malheurs les créatures qu'elle a séduites. Alors je crois que cette permanence de la femme serpente dans l'inconscient de notre espèce trouve ses racines dans une révélation très ancienne, expérience ou rêve, dont les mythes seraient en quelque sorte la trace émergente. Et ce qu'il y a de frappant, c'est que cette révélation est universelle. Nous pouvons en découvrir une des formes les plus originales dans les sensibilités gnostiques qui, au premier siècle de notre ère, ont mêlé en une unique cohérence les récits du paganisme antique et l'héritage de la Bible. Et parmi ces gnostiques, il en est qui firent aux serpents une place singulièrement privilégiée, d'où leur nom d'Orphite. Voici, selon eux, ce qu'il en est des origines du monde, ainsi que nous le raconte l'historien allemand Heinrich Leisegang. Tandis qu'il emmenait de l'île d'Érythée les génisses du géant Gérion, Hercule arriva dans le pays des Scythes. Fatigué de la route, il se retira dans un endroit écarté pour s'y reposer. Tandis qu'il dormait, le cheval sur lequel il avait fait route disparut. À son réveil, il le chercha partout dans la contrée déserte. Il ne retrouva pas son cheval, mais il rencontra un être étrange, moitié jeune fille, moitié serpent. Il lui demanda si elle n'avait pas vu son cheval. La jeune fille répondit qu'elle savait où il était, mais ne lui indiquerait pas avant qu'il n'ait eu commerce avec elle. Hercule, qui tenait à sa monture, céda. Il la rendit mère. Elle lui apprit alors qu'elle portait de lui 3 enfants à la fois. Il lui ordonna de donner aux enfants à leur naissance les noms respectifs d'Agathyrsos, Célonos et Cité. En retour, Hercule rentra en possession de son cheval. Ce mythe devient, dans la bouche de Justin, une révélation sur l'origine de l'univers. Il y a 3 principes inengendrés du tout. 2 sont masculins, 1 est féminin. Le premier principe masculin s'appelle le bon, il est seul à porter ce nom et il possède une préscience universelle. Le second s'appelle le père de toutes choses, il est dépourvu de préscience, inconnaissable et invisible. Le principe féminin est également dépourvu de préscience, il est irascible, il a double esprit et double corps et ressemble absolument à l'être du mythe d'Hérodote, jeune fille jusqu'au sexe, serpent au-dessous. Cette jeune fille s'appelle aussi Éden et Israël. Tels sont les principes du tout, les racines et les sources desquelles est issue toute existence. Il n'en existe pas d'autres. Le père, ayant vu cette demi-jeune fille, Éden,
s'épris d'elle, ignorant qu'il était de l'avenir. Ce père s'appelle Elohim. Éden s'épris pareillement d'Elohim, et le désir les réunit dans le plaisir de l'amour. De l'amour d'Elohim et d'Éden naquirent 24 anges. 12 furent au service d'Elohim et 12 au service d'Éden, et ils formèrent le paradis. Et quand le paradis eut été constitué, les anges d'Elohim prirent un peu de la terre la plus noble, c'est-à-dire non pas des parties bestiales d'Éden, mais de celles qui sont situées au-dessus du sexe, et ils créèrent l'homme. Puis ils prirent les parties bestiales d'Éden pour créer les bêtes sauvages. Et ainsi fut créé le premier couple d'Adam et d'Ève, à qui Elohim donna le pneuma et à qui Éden donna l'âme. Après avoir ainsi fondé le monde, Elohim voulut regagner les contrées supérieures du ciel et il abandonna Éden sur la terre. Mais parvenu aux frontières du ciel, Elohim vit une lumière plus grande que celle qu'il avait créée. Cette lumière, c'était celle du principe premier, celle sur laquelle règne le bon. Alors, Elohim demeura auprès de lui. Mais quand elle se vit abandonnée, Éden ordonna à Babel, Babel qui est Aphrodite, qui est la grande prostituée de Babylone, de provoquer parmi les hommes adultère et divorce. Car Éden voulait que le pneuma qui demeure dans l'homme et qui était une part d'Élohim fût torturé de ces séparations douloureuses et souffrit comme elle souffrait elle-même de son abandon. Alors, Elohim, du haut du ciel, envoya au secours du pneuma qui réside en chaque homme un de ses anges, Baruch, qui dit aux hommes, « Tu mangeras de tous les arbres du paradis, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car cet arbre est le serpent. » Et le serpent s'est approché d'Ève, il l'a séduite et a commis avec elle l'adultère. Puis il s'est approché d'Adam et il a commis avec lui l'acte de pédérastie. Et c'est depuis lors que le bien et le mal ont régné sur les hommes. À travers cette imagerie gnostique transparaît déjà la figure de notre tardive Mélusine, créature à la fois baignée par la lumière céleste d'Elohim, mais aussi enlisée dans la boue de cette terre qui est Éden. La double configuration de Mélusine, mi-humaine, mi-bestiale, peut se lire à deux niveaux. Mélusine, la sirène à queue de poisson, Mélusine, la serpente, figure peut-être, comme nous l'indiquent certains mythes, cette menace à laquelle nous sommes constamment exposés de pencher du côté de la bestialité. Et sa séduction, c'est le chemin qu'elle nous indique pour aller du côté du bas, du côté des eaux troubles. Mais, à vrai dire, cette interprétation présente un aspect quelque peu manichéen. Et pour notre part, nous serions tentés de proposer une lecture plus vivement mythique de la figure de Mélusine. On pourrait d'abord voir dans le serpent, dont la femme serpente apparaît comme l'incarnation éphémère, le symbole même de l'énergie cosmique. C'est ce que nous indique par exemple l'Égypte ancienne, pour qui le serpent représente le double de la vie des dieux. C'est pourquoi, comme nous le dit le livre des morts, l'âme pénétrera dans le corps du serpent par la queue qui est dirigée du côté des ténèbres et sortira par sa gueule qui est toujours du côté de la lumière. Mais là encore, nous sommes du côté des dieux et du règlement de compte incessant entre les habitants du ciel et les habitants de cette terre. Il est possible de voir
dans le visage de Mélusine, un visage qui nous apparaît toujours comme transposé d'ailleurs par une sorte de voile aquatique, il est possible, dis-je, de voir là la mémoire d'une expérience plus intimement humaine et dont nous serions chacun les dépositaires. Car pour nous, la mémoire de chaque être vivant n'est pas seulement la souvenance de notre tracé personnel. Elle est aussi persistance de la plus vieille expérience de l'espèce. Or, au commencement de l'espèce, avant la grande catastrophe qui nous a précipités sur cette terre, tout était eau et océan, et nous étions dans le grand mélange des algues et des ondes amères, êtres marins, poissons ou sirènes. Et je crois que cette mémoire de l'océan primitif, elle demeure en chacun de nous. Et c'est elle qu'a tenté de retrouver, par exemple, le romancier russe Andriy Bielis dans son roman Kotique Letaïef. Là, c'est un homme qui va à la recherche de sa toute petite enfance, à la recherche du souvenir d'avant les souvenirs, en ce moment qui précède immédiatement la naissance de la conscience. Et dans l'intime, dans le plus intime du petit enfant, il voit. Voici comment je condenserai en mots le surgissement ineffable de ma vie de nouveau-né. Il n'existait pas de division en moi et non moi, ni espace, ni temps. Au lieu de cela, il y avait une tension des sensations, comme si tout enflait, gonflait, m'étouffait et se mettait à flotter en soi-même, comme d'épais nuages ailés cornus. En ce temps-là, il n'y avait pas de moi. Il y avait un corps chétif. La conscience était hors du corps, et à l'emplacement du corps était perçue une énorme crevasse où il n'y avait pas encore de pensée, où surgissaient à peine les premiers bouillonnements du délire. En moi se formaient des bouillonnements d'écume. La chaleur m'écumait. J'étais torturé, chauffé au rouge. Le corps ébouillanté bouillonnait de conscience. Eau dans acide grésille, pétille et bouillonne. Enfin, écuma la première image, et ma vie se mit à bouillonner d'images, écume d'écume montant à moi. C'étaient des objets, des pensées. Le monde et la pensée ne sont qu'écume de menaçantes images cosmiques. Peu à peu, le visible a émergé. Moi et non moi ont émergé. Les détails ont apparu. Mais à l'époque, les mères sortaient de leur lit. Héritage fatal, le cosmos pénétrait impétueusement dans la réalité. En vain, on s'abritait dans les lambeaux du réel. Tout se dissolvait et toute voix s'abolissait. Tout enflait. Sombrait l'éther dans les mers et la conscience ravinée s'effondrait dans les mythes de l'antique mer. Les déluges bouillonnaient. Une arche grandissait. La pensée. L'arche entraînait les consciences d'un monde englouti à un monde nouveau. De sinistres déluges se déchaînaient en nous, le seuil de la conscience ébranlant. Prends garde qu'il ne te submerge. Nous avons surgi des mers. En nous sont les mondes marins des mers, et ils se déchaînent. Rouge meute furieuse des délires. Mon corps d'enfant est un délire des mers. Hors de lui n'existe qu'un œil. Il est bulle sur l'abysse ballotté. À peine surgit, il redisparaît.
ma tête seule est restée dans le monde. Par mes jambes, je suis dans la matrice. Ma matrice m'a soudé les jambes, et là-bas, vers mes jambes, je me sens moi-même serpent. Abyssales sont les pensées. Un océan bat en chacune d'elles et se déverse dans le corps en tempête cosmique. La pensée surgissante de l'enfant rappelle une comète. Tenez, elle vient de tomber dans le corps et sa queue s'ensanglante et se répand. Pluie sanglante d'escarboucles dans l'océan des sensations. Entre corps et pensée, dans un abysse d'eau et de feu, quelqu'un a projeté de force l'enfant. L'enfant a peur. Au secours ! Je n'en peux plus. Sauvez-moi. C'est la croissance, madame. Au secours ! Je n'en peux plus. Sauvez-moi ! Ces cris, le nouveau-né en est incapable. Il l'écrira plus tard. Les serpents rampent en lui, autour de lui. Ils emplissent son berceau et sifflent à ses oreilles. Tu as entendu ce sifflement à l'heure silencieuse de midi, quand tout se fige et le soleil décoche ses dards. Tu as déjà entendu siffler ainsi. C'était le sifflement du vent dans les pins. De léthargiques essaims grouillants à qui mieux mieux entrait dans le réel. Je vivais et luttais dans des bouillonnements d'écume. En suivant ainsi cette lecture de notre mémoire, sur le chemin que nous indique André Bielli, nous serions tentés de voir dans Mélusine, cette sirène humanisée, la dernière figure de ce paradis océanique dont nous avons été exclus et dont l'angoisse nous rappelle constamment la perte. Mais si Mélusine est cette figure océanique, on voit que loin d'apparaître comme un être double, humaine au-dessus du sexe, et bestiale à partir du sexe. Elle s'incarne au contraire dans un monde où le sexe n'était point déchirement et contradiction, mais au contraire paix profonde et accueillante, car l'océan, c'est l'univers d'une sensualité indifférenciée. C'est un monde toujours vierge, puisque l'échange entre les vivants s'y fait à tous les niveaux, et que le sexe ne s'y manifeste jamais comme déchirement, comme rupture. Et par là, Mélusine, séductrice rêveuse de tous ceux qui souffrent du déchirement, pourrait bien exprimer seulement la dernière nostalgie d'une humanité qui ne se console pas d'être tombée dans le temps, d'une humanité qui ne se console pas d'avoir perdu l'innocence et qui est devenue, par cette perte, incapable de comprendre le mystère fondamental de la vie. Et Mélusine serait ainsi la sœur affectueuse de celui que John Cowper Powys nomme l'éther céleste. Car, nous dit le grand romancier gallois, voici comment l'éther céleste révèle à Homère le secret même de notre douleur d'homme. Ô mon très aimé Homère, écoute, s'il te plaît, autre chose encore. Bien que Gaïa, la mer, l'antique terre, soit en vérité à la fois notre commencement et notre fin, il y a un mystère féminin qui contient autre chose de plus haut et de plus profond même que le fait d'être mère. C'est le mystère immémorial de la virginité. Ô Homère, mon héroïque Homère, je t'affirme que moi seul, l'éther céleste, parmi la multitude des mondes dans lesquels nous sommes tous nés,
je peux comprendre le secret de la vie qui rend si différent le mâle et la femelle. Ici, nous touchons, je te le dis, au mystère fondamental de l'être. Et bien que je ne puisse, même moi, l'expliquer entièrement, je peux te le faire entrevoir. Quand une femme perd sa virginité, elle perd aussi pour toujours un certain pouvoir de connaissance de la vie et de la nature qui surpasse tous les autres. Je peux seulement suggérer qu'il ramène à cette entité indéfinissable qui existait dès avant le commencement du monde. Je sais bien que depuis son apparition, la race humaine a connu périodiquement des élans du culte sacré de la virginité. Et souvent, ce culte a dû être accompagné par le soupir de désespoir d'une humanité qui gémissait, le cœur brisé. Si seulement la virginité avait prévalu, nous ne serions pas maintenant en train d'endurer pareille misère.